PS Records Production. Vous allez bien? La forme? Bon, impeccable. Écoutez, tout va bien de mon côté. Du coup, alors, et ce soir, je suis rentré de l'entraînement. J'ai commencé à allumer la télé. J'ai vu que des trucs politiques. Donc, faut quand même reconnaître qu'on se tape l'élection présidentielle la plus pourrie des 300 milliards d'années qui viennent de passer. Donc, je me suis dit, je vais leur faire une petite review. Alors, on va se faire une petite revue. Et si je ne me trompe pas, on va faire une gamme qui n'est pas encore sortie en France. On va aller chez Vap Dinner Lady, hein, donc les Lady Dinner. On va aller faire cette gamme-là, alors qui s'appelle 11-11, 11-11 ou 1111, comme vous voulez. C'est une gamme donc, qui va nous venir dans le même packaging que la gamme précédente. Alors, à savoir que les Lady Dinner avaient fait quand même enfin, ont fait un gros carton avec leur tarte au citron. Donc là, on arrive sur cette gamme-là, alors qui va se présenter de la même manière, c'est-à-dire qu'on va avoir ce packaging. Donc où il y a un peu de tout, descriptif de la gamme, ce qu'il y a dedans, etc. Les précautions d'usage et tout le toutim. Bien sûr, le tout en anglais, dans lequel vous avez retrouvé votre petite fiole en 10 ml. Donc en l'occurrence 3 mg pour moi. Et comme sur la gamme précédente, donc ce que j'avais trouvé plutôt pas mal, une petite notice. Je vous l'avais fait voir, il me semble. Pour se servir de son ato, ne pas faire n'importe quoi avec ses petites mimines lorsqu'on est sur des taux nicotinés élevés, le tout en 6 langues, dont le français. Donc, je trouve ça plutôt intéressant et je le ressouligne de nouveau, je trouve ça plutôt cool. Cette gamme, elle a une consonance, alors elle n'est pas encore sortie, hein, je crois, elle va pas tarder à arriver. Elle a une consonance un petit peu tabac, mais pas que. C'est une gamme qui va être toute, autant donc sur la gamme d'avant, ils avaient des différences dans le ratio PGVG. Là, on va sur une gamme qui est en 50-50. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour la présentation de cette nouvelle gamme. On va attaquer directement les tests. On va commencer avec le premier. Donc, c'est le Even 11, 11. D'accord. Je vous fais voir rapidement la petite fiole. Bon, relativement, j'aime bien. Moi, je trouve ça plutôt classe. Voilà, c'est sympa, c'est sobre. Donc, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit donc sur ce Even 11? On nous dit, 11, je crois que c'est 11, hein, ouais, je me trompe pas. On nous dit c'est caramel, du tabac, de la vanille. Je crois qu'il y a autre chose dedans. Il est où? Il y a un petit peu de crème et c'est un caramel dark caramel. Donc je suppose que c'est un caramel brun, un caramel assez marqué. Je vais mettre ça dans le dripper. Comme d'hab, je suis sur le petit dripper là, du mode 101 de IH Pro. Il est en single Clapton à 30 watts et donc c'est parti pour ce even pardon donc caramel, vanille, crème, tabac, enfin dark caramel, c'est parti. Alors, on est sur un tabac gourmand. Alors celui-là, on sent un tabac. Alors j'en ai pas vapé des comme ça, donc c'est délicat. J'ai goûté des tabacs, alors grosse gourmandise, note de tabac. J'ai goûté un bon tabac avec quelques notes.
gourmande à côté. Là, on est vraiment sur du 50-50, donc pas que dans le ratio PGVG, mais aussi au niveau des arômes. Je le trouve super bon, celui-là. Alors, vous savez que je suis amateur de tabac, bien sûr, faut aimer le tabac et le tabac gourmand. Celui-là, il claque, je trouve, méchamment. Alors, il a une certaine rondeur, une certaine onctuosité. On a peut-être oui, le côté crème, on va dire vanille, il n'y a pas de souci. Ce dark caramel, là, je pense que c'est un caramel brun. En fait, il se mélange idéalement avec le tabac. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun des deux qui prend le dessus. C'est un mélange constant, je trouve, en termes de ressenti. Et ça le rend mais vraiment super bon. Ouais, alors du tabac vanille caramel, j'en ai vapé 2-3 et je suppose que vous aussi. Là, celui-là, il est vraiment super hein, subtilement dosé, quoi. Ce mélange tabac caramel brun là qui est juste parfait. Et à côté, un côté donc la vanille, mais il y a une petite touche de crème, je pense, et ça donne un ensemble très, très onctueux, très rond, très doux. Ça rend super bien, c'est un vrai bon tabac gourmand, ni trop marqué, ni pas assez, il est juste parfait en fait. J'aime bien cette notion de mélange tabac caramel brun, quoi. C'est vraiment juste nickel. Je trouve que les deux sont dosés vraiment au même niveau et ça lui donne ce petit côté typé, ce petit côté particulier que je trouve par rapport aux nombreux tabacs comme ça que j'ai pu goûter. Franchement, il est très très bon celui-là. Pour ma part, c'est une très bonne surprise. Je le trouve très très bon cette Even Eleven. Donc voilà pour celui-ci. Donc un tabac qui paraît classique avec ce qu'il y a dedans, mais au final, il y ressemble à aucun autre. Et ouais, il a une petite touche particulière que j'apprécie vraiment, que je trouve très très bonne. Donc celui-là, je risque de le déglinguer assez rapidement. Qu'est-ce que je fais? Je recotonne et on va passer au second. Allez, donc de retour pour le second de la gamme. On va aller voir le Felon. Enfin, je suppose que ça se prononce comme ça en anglais. Voici la fiole. Donc je vous fais voir la fiole. Bon, toujours pareil, hein, donc, mais toujours aussi sobre, toujours aussi classieux, à mon sens. Et voici donc la petite boîte dans laquelle il est présenté, donc qui reprend bien évidemment l'étiquette. Au niveau du synopsis, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est du tabac blond, un différent mélange de tabac, Kentucky, Virginia, etc., etc. Alors, j'ai mis ça dans le dripper et c'est parti pour ce mix de tabac blond. Alors, tabac blond, ouais, il n'y a pas de souci. Différents tabac blond, on le ressent. On ressent un petit peu cet arôme Kentucky que je connais relativement bien, on va dire. Comme le premier, je trouve une petite touche personnelle qui est visiblement propre aux deux tabacs pour l'instant que j'ai goûté. Il y a cette petite touche que je trouve très bonne, très ronde. Ça passe plutôt vraiment bien, quoi. Je sais pas comment vous dire. Celui-là, c'est un tabac, mais comme pour le premier, il y a cette forme de je sais pas, c'est assez rond, ça passe tout seul, c'est beaucoup moins agressif qu'on a l'habitude en fait par rapport à d'autres tabacs blonds. On a, oula, ma phrase, elle n'était pas dans le bon sens, excusez-moi. On a l'habitude de vaper des tabacs blonds assez blond ou brun d'ailleurs, peu importe, mais c'est assez corsé, c'est quand même assez dur comme arôme au palais, en gorge, au niveau du huit. Et celui-ci, comme pour le premier, donc même si ça reste un tabac, c'est bien un tabac, c'est bien un mix de tabac,
On a ce côté rond, on a cette petite note qui me plaît vraiment et qui fait que en fait ça passe tout seul, ça se laisse vaper tranquillement, c'est très très bon. Je suis en train de me faire un déca en plus avec, je peux vous dire, je me régale. Ouais, encore une fois, donc faut aimer le tabac, hein. Faut aimer ça, faut aimer en vaper. Moi, j'en ai vapé au tout début, j'ai pas pu en vaper pendant pas mal de mois. Et puis, avec la découverte des gammes que j'ai la chance d'avoir, les tabacs gourmands qui sortent, etc., les différentes gammes, j'avoue que j'y prends du plaisir. Et ceux-ci, là, les deux, alors le premier était beaucoup plus gourmand, celui-ci est vraiment un tabac, mais par contre, il est doux, quoi. Il se laisse vaper tout seul, il est très agréable, quoi. Plus il est tard, hein, mais c'est une vape du soir, quoi. Une vape cigare, une vape du soir, quelque chose qui se fait tranquillement, posé, un moment de calme, ça se vape tout seul, ça se déguste, c'est très très agréable. Un mix de tabac blond pour les abatteurs, très très appréciable. Je trouve encore une fois celui-là très bon. Alors bien sûr, ma préférence va sur le premier, sur le Even, parce qu'il a cette touche gourmande. Mais je vous cache pas que ouais, ce mix de tabac blond est vraiment. Franchement, il est vraiment bluffant. Il est très très bon. Il se vape tout seul, quoi. Il se laisse vaper. On va chercher le puff suivant sans problème, quoi. Voilà ce que je peux vous dire sur le Felon, qui est encore une fois une réussite, en tout cas à mon goût. Je vous abandonne 30 secondes, je recotonne et on passe au troisième. Allez, donc de retour pour le troisième de la gamme, qui est le Sweet Eleven. Donc toujours la même charte graphique, avec une couleur différente. Idem pour le packaging qui entoure la fiole. Voilà, comme d'habitude. Au niveau du synopsis, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en gros tabac, alors ouais, tabac, pipe, note de tabac et cherry. Cherry qui veut bien évidemment dire concombre. Non, il n'y a pas un qui suit, c'est une catastrophe les gars. Hein. Cherry, c'est cerise. Donc, un tabac cerise, jamais testé, j'ai jamais goûté, je ne sais pas du tout, je ne connais pas et j'ai. Pour ainsi dire, jamais vapé de cerise, il me semble. C'est parti, j'ai ça dans le drip. C'est super bon. C'est vraiment pas mal, hein, franchement. Alors, on a une cerise. J'ai envie de vous dire une cerise à forêt noire, quoi. Une cerise qui a bien trempé dans l'alcool. Voilà le type de cerise qu'on va ressentir. On nous parle de tabac, peut-être de tabac à pipe. Ce que je ressens, c'est une forme de côté, je sais pas comment vous dire, un petit peu à la Amsterdamer, vous savez, quelque chose d'assez, ouais, épicé, vanillé, sucré, un tabac qui sent très très bon. Il y a de ça avec cette cerise. Alors cette cerise, elle n'est pas trop présente et c'est juste ce qu'il faut parce qu'à mon avis, faut pas qu'elle soit trop forte parce que sinon elle va prendre le pas dessus. C'est assez subtil, hein. C'est assez subtil. Un petit peu déroutant pour moi parce que j'ai pas l'habitude de vaper ce genre de choses, mais c'est plutôt carrément bon, quoi. Ouais, franchement, on a une vraie cerise à forêt noire, quoi. La cerise qui est imbibée d'alcool, ça c'est clair. En tout cas, c'est mon ressenti. Ce tabac,
sucré, qui sent assez bon, qui embaume bien la pièce. C'est le ressenti que j'ai à la vape, donc quelque chose qui est proche effectivement d'un tabac à pipe. Après le reste, bon, il y a un arôme tabac classique, certainement, il y a d'autres arômes, mais ce qui en ressort principalement, voilà, une cerise alcoolisée avec imbibée d'alcool, avec un tabac à pipe, ouais, comme le Sanson, l'Amsterdamer, des choses comme ça, qui sont des tabacs qui sont assez sucrés, qui donnent un très bon parfum. Enfin voilà, c'est vraiment ce ressenti-là que j'ai. Franchement, c'est bon, c'est réussi. Alors après, j'ai pas l'habitude de vaper ça. Je suis pas un grand amateur de fruits, donc en vape. Donc je suis un petit peu déconcerté parce que j'ai jamais testé ça. Mais voilà, faut quand même reconnaître que c'est bon, que le mélange est bon. La cerise, il en faut vraiment pas plus parce que sinon ça aurait complètement bouffé le reste des saveurs. C'est une réussite, franchement, de par l'assemblage. Après, faut aimer ce côté fruité tabac. J'avais déjà goûté, il me semble, un tabac mangue ou quelque chose comme ça, que j'avais trouvé pas mal. Là, avec la cerise, que je connaissais pas en vape, donc je suis encore un peu plus surpris. Non, il en reste que voilà, la construction est là. C'est bon, c'est cohérent, ça parle. Ça ressemble à rien d'autre. On retrouve vraiment ce côté arrondi qu'on a sur les autres tabacs. On a vraiment ce côté doux, savoureux. Donc c'est voilà, c'est propre à la gamme, je pense. Non, c'est franchement quelque chose de très, c'est recherché, c'est fin, c'est bon, voilà quoi. Après, ça va pas être ma vape, celui-ci en tout cas, mais c'est subtilement fait, quoi, franchement. Voilà ce que je peux vous dire sur ce Sweet Eleven. Allez, je recotonne et on va passer au dernier. Allez, donc on se retrouve pour le dernier de la gamme. Donc il s'agit de l'After Eleven. Eleven, pardon. Voici la fiole. On tire sur le verre, tout comme pour le packaging qui vient avec. Au niveau du synopsis, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous dit menthol, menthe. Eucalyptus, menthe fraîche, à tester. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai ça dans le dripper. Bon, c'est pas spécialement ma came, mais on va tester ça. C'est parti. Donc menthe, menthe fraîche, eucalyptus. Bon, menthe fraîche, il n'y a pas de souci. Alors, menthe glacée, oui. Quand on inspire, on prend une gifle de menthe glaciale, ça c'est clair et net. Eucalyptus, je le sens également un petit peu, il n'est pas hyper hyper présent. Et la menthe, elle a une saveur assez particulière. Ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser au cœur des After Eight. Vous savez, donc l'After Eight, un chocolat avec le truc menthe à l'intérieur, là, cette espèce de coulis blanc qu'il y a. En fait, quand vous avez passé l'expiration, passé le côté menthe glaciale, derrière, vous avez cette sensation-là de menthe en coulis sucré qui vient napper le palais, en fait. Donc ça se rapproche vraiment du After Eight, mais sans le chocolat, en fait. En termes de sensation, c'est vraiment ça qu'on a en bouche. C'est pas mal construit. L'eucalyptus, c'est pas franchement trop présent. On le sent un tout petit peu, mais il n'est pas non plus ultra ultra dominant. Alors sur les premiers puffs, la menthe glaciale, ça faisait un petit moment que j'en avais pas testé. Bon, voilà. Ça dégage les bronches, quoi, bien correctement.
Et derrière, ouais, on retrouve ce côté menthe. Ouais, c'est vraiment ça, menthe coulis, menthe cœur de After Eight, quoi. C'est vraiment ça. On retrouve de la douceur, on retrouve de la rondeur, on retrouve un petit peu de sucre. C'est pas mal. Après, il faut aimer ce type de jus. Forcément, moi, c'est pas du tout ma came, mais je trouve que c'est pas mal, en fait. Faut peut-être enchaîner les puffs, parce que c'est vrai que les premiers, avec la menthe glaciale, ils prennent tout de suite. Ça pique un peu les yeux quand on n'a pas l'habitude. Mais alors après, derrière, à l'expiration, on a quelque chose de doux, de onctueux, d'une espèce de crème, enfin, une crème de menthe. Hein. Vraiment le cœur de l'After Eight, en fait, on va dire la partie blanche, rond, sucrée. Une rondeur que je vais trouver dans l'ensemble de la gamme, de toute façon. C'est pas mal. Pour les amateurs de menthol, c'est à tester. C'est assez différent de ce que j'ai pu vaper, de ce que j'ai pu tester. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, c'est pas courant dans la construction, on va dire. Voilà. Donc, quoi vous dire de cette gamme? Pour moi, c'est une gamme qui a déjà une vraie personnalité. Il y a une vraie recherche. On retrouve un point commun à cette gamme. C'est quelque chose de doux, d'accessible, de savoureux à vaper. Après, c'est une gamme typée quoi? Pour moi, c'est une gamme qui va cibler deux catégories de vapoteurs. Les vapoteurs débutants, où là, on va leur proposer ça au niveau des tabac fruité ou d'un menthol fort, qu'ils ont l'habitude, qui sont les premières saveurs qu'ils prennent quand ils rentrent dans une boutique. Là, on va leur apporter autre chose. On va leur apporter une rondeur, on va leur apporter une construction plus fine que ce qu'ils ont l'habitude de vaper en termes de juice vraiment classique, parce qu'on a tous commencé par ça. Et je pense que un vapoteur débutant qui va vouloir retrouver ces saveurs-là va les avoir, mais pour moi, on va être un ton au-dessus des saveurs qu'on a habituellement. Donc c'est quelque chose qui va les amener vers soit du gourmand, soit du fruit, soit du mentholé plus construit. Donc c'est quelque chose qui est quand même recherché, accessible et qui est vraiment au-dessus des saveurs classiques quand on est un vapoteur débutant. Maintenant, pour moi, ça va pas uniquement s'adresser aux vapoteurs débutants. Je pense que ça va aussi toucher les vapoteurs expérimentés qui sont amateurs de ce type de liquide. Comme moi, par exemple, où leurs deux tabacs, clairement, les deux premiers que je vous ai faits, sont des tabacs que je vais vaper avec grand plaisir. Parce que, comme je vous disais, je les ai oubliés longtemps, les tabacs, et je reviens sur des tabacs maintenant, parce qu'ils sont plus construits, parce qu'on trouve des choses vraiment beaucoup plus agréables et beaucoup plus savoureuses à vaper que les premiers qu'on a connus. Je dois reconnaître que les deux premiers sont, en termes de tabac, sont vraiment très très bons et très réussis. Je les trouve très intéressants. Donc ceux-là, je vais les vaper avec plaisir. Le tabac cerise, franchement, il est malin. Je sais pas, il y en a peut-être d'autres qui l'ont fait avant eux, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je vois ça et je trouve ça très très bon. Et ce menthol, alors ce menthol agressif au début, au premier puff, mais qui après, au fur et à mesure des puffs, vous laisse découvrir une menthe gourmande, sucrée. Je vous dis, cette terreur de After Eight, franchement, c'est une gamme qui peut cibler ces deux types de catégories, c'est-à-dire le débutant qui va chercher autre chose que des gammes de liquide classiques qui sont pour la plupart écœurantes et qui sont très très loin des habitudes d'un fumeur. On va aller donc sur une vape, oui, classifiée comme tabac, mais on va aller sur des trucs plus ou fruités ou mentholés, mais on va aller sur des trucs plus recherchés. Donc ça va les faire rentrer directement dans la vape. Ils vont comprendre que les saveurs sont différentes par rapport à la cigarette, mais par contre, ils vont avoir quelque chose de bon, de goûtu. Donc ça, c'est super intéressant. Et encore une fois, le vapoteur expérimenté qui va kiffer clairement ce genre de goût parce qu'ils sont travaillés. C'est une gamme, moi, voilà, vraiment pour moi, je trouve subtile, ronde, qui a cette petite note en elle, cette personnalité, cette forme de rondeur. Franchement, vraiment intéressant. C'est-à-dire que pour moi, c'est dans la lignée de leur première gamme, c'est leur première gamme, pardon. C'est recherché, c'est travaillé. C'est peut-être sur une base simple, mais ça a un côté différenciant, c'est marqué, ça a une personnalité, donc je trouve ça plutôt cool. Voilà pour mon ressenti, donc pour cette gamme, alors Eleven Eleven de Lady Dinner, plutôt une vraie réussite et plutôt sympa. Ils se sont lancés dans un truc, voilà, qui est pour moi vraiment intéressant pour beaucoup de vapoteurs. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. C'en est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai pour une prochaine revue
Je pense que ce sera certainement du matos parce que je suis un petit peu à la bourre. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente fin ou début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous kiffe, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao!